rapido et un nouveau. Nouveau, non, nouveau, ça va aller, ça va aller. Blogos, non, je sais pas. Blogos, non, blog, ça, je sais pas comment on dit. Blog. Ouais. On espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi, donc là c'est vraiment le premier jour. Parce que normalement hier on devait pas sortir, mais comme on est arrivé super tôt, bon, on a fini par aller à la plage quand même. Donc aujourd'hui au programme Nazaré. Donc ce matin, je vous ai pas pris parce qu'on a été faire les courses pour les jours à venir. Et on a mangé au centre commercial. Pour ce soir. Continente. Oui, pour ce soir. Pour les jours à venir. Non, oui, pour ce soir et pour demain. Ouais. Pour demain. Parce que demain on mange au centre. Donc, ah, je me suis pris la bouteille sur les pieds. On a mangé au centre commercial Continente. Et c'est vachement bien parce que tout en haut, vous avez un. Au centre, plein de tables. Tu leur as même pas filmé ça. Non, j'ai pas filmé, mais on y retournera. Et on a plein de tables. Et autour, vous avez tout plein de fast food. Burger King, McDo, Subway, des sushis, enfin plein de trucs. Et en gros, chacun va commander ce qu'il veut, où il veut. Et après, on se rassemble tous au même endroit pour manger. Là, bah, au même endroit, mais pas la même chose. Donc c'était bien. Comme ça, il y en a qui ont pu prendre Burger King, d'autres McDo, d'autres choses. Et c'était cool. Donc on a fait ça ce matin. Et puis voilà. Donc rien d'intéressant. Hormis peut-être ce qu'on a mangé. Mais ça, vous le verrez dans d'autres jours. Donc là, on part à Nazaré. On commence par le marché, c'est ça? Ouais. On a emmené le drone, donc comme ça vous allez avoir de beaux plans à la caméra et on est plutôt content. Donc voilà, Nazaré, si vous connaissez pas, c'est une très très vieille ville, une très vieille ville du Portugal. Et la particularité, c'est que bah, en fait elle a gardé son architecture en fait de vieille ville. Donc c'est très très ancien. Il y a une grande plage où on peut pas se baigner très difficilement parce que c'est une plage de surfeurs. Mais on a un point magnifique en haut, donc on y monte avec le funiculaire et tout en haut il y a une grande place. Vous verrez tout ça dans ce vlog. En tout cas, nous on aime bien y aller, c'est très dépaysant et c'est beau, c'est surtout très très beau. Donc ben, c'est parti pour Nazaré. Donc on commence par un petit tour au marché. Donc on va monter après en haut pour reprendre le funiculaire parce que là si on longe c'est toutes les plages. Donc là il y a un petit marché en bas, on y va. Il fait super chaud mais il n'y a pas trop de soleil, ça c'est assez couvert. Très bien, comme ça on va pas trop cramer parce qu'hier Raphaël il a pris cher. Il a les mollets, c'est des écrevisses. Donc là on est monté sur le site de Nazaré, Enzo. Et regardez la vue! C'est trop beau, je vais vous montrer d'autre part. Regardez-moi cette vue de malade. Là les vagues elles sont quand même assez. Et on voit les gens là en tout petit. En 2 minutes ils sont sous les vagues. Timéo, viens voir. Le train, il est là. Ah ouais, regardez. J'avais même pas vu. On va monter là tout à l'heure dans le funiculaire qui ramène en bas. Pendant que Raph essaie de faire décoller le drone, moi Enzo, on assis tranquillement. Et on regarde. Il fait hyper chaud, enfin, un truc de fou. Et pourtant, il n'y a pas de soleil. Ça tape pas. Vous voyez, en haut, c'est couvert le ciel. Mais il fait super lourd. Hein. On profite. Il y a plein de petits stands là. Avec des souvenirs et tout ça, il y a plein de ruelles. Je vous montrerai tout à l'heure si on fait le tour. On regarde jamais assez, mais en fait, en tournant la tête, j'ai vu que tout le mur était peint. C'est trop beau. Donc il y a plein de rues comme ça qui descendent. Attends, papa, il lance le drone là. Let's go! Bonjour monsieur.
vous avez la, le séchage des petits bateaux. C'est fabriqué dans, la, dans l'atelier. Et là, c'est en train de sécher. Ouais, on lui a ramené. Papy, oui, c'est beau, regardez. Fabrication maison. On aurait dû en prendre un comme ça. Vous en avez de toutes tailles, de toutes les couleurs et tout est fait à la main. Ce petit atelier. On va se laisser tenter par celui-ci avec marqué Nazareth 2018. Là, on est sur la place tout en haut, donc là il y a une grande chapelle. Et tout autour, il y a des petits artisans. C'est à ce moment-là que tu regrettes de ne pas avoir pris ton maillot de bain. Bah, c'est vous qui avez dit qu'on pouvait pas se baigner ici. Non, mais c'est pas recommandé ici, c'est très dangereux. Bah, après, c'est des habitués tout ça, mais mamie, elle a failli se noyer là, à Nazareth. Elle a été prise par une lame de fond et. Ah, bonne lame de fond. C'est le courant qui passe sous tes pieds quand t'es dans l'eau et ça t'emporte. Et avec Simao, là, on n'aurait pas pu se baigner. C'est dangereux pour nous. Mais c'est beau quand même. Et j'ai beaucoup d'enfants autour de moi qui font le pitre. Ah, Timéo. Ouais. Là, on est au sanctuaire. Nossa Senhora de Nazaré. Salao Nobre. Et en fait, c'est. C'est un sanctuaire. Ça ressemble à une grande église. Voilà. La vue sur. Descendu et le soleil est plus présent en bas qu'en haut. On est sur une grande place. Il y a des restaurants partout. Et au bout là-bas, c'est les plages, donc on va aller faire le tout. Et là, on a quelques petits artistes. Tout à l'heure, on était là-haut. Sur la place de Nazareth, sur la plage, et je peux réussir à parler, on a plein de petites tentes comme ça, que les gens peuvent louer pour se mettre au soleil. Donc ça c'est typique de Nazareth, il y en a tout le long, les petites tentes comme ça rayées. Regardez les vagues, c'est pour ça qu'on peut pas se baigner ici. D'ailleurs, le maître nageur qui siffle, c'est impressionnant, regardez-moi ça. Regardez-moi les houles, regardez ce qui arrive. Vous avez vu? Ça c'est une plage de surfeurs. Bon, moi je retourne au bord. Il y a des personnes qui mettent des tables derrière des scooters. Comme ça, peu importe où il s'arrête, il peut boire. Pratique. Et c'est reparti pour un tour de funiculaire. Regardez comme c'est beau. C'est que du carrelage. En 3D, regardez.
Si tu veux pas qu'on vole ta chaise, pense à emmener ta pierre. Eh ouais. Yo, nous revoilà. Donc il est 21h40. Nous avons mangé. Elle a coupé en fait, elle recommence là. Parce que Raph dit des gros mots. C'est la deuxième fois. Il dit des gros mots, je suis obligée de reprendre. Ah, tu t'attendais pas à ce que je dis. Ah bah toi aussi, t'as dit des trucs pas très jolis. En même temps, on est en train de sortir d'un parking. Il était stressé. Voilà, bon, bref. On revient ici. Vous avez rien vu, vous avez rien entendu. Il est 21h40 et on va faire un tour dans l'Eria. Parce que quand même, on est là depuis hier et on n'a pas vu l'Eria. Le centre de l'Eria, en tout cas, on n'a pas été dedans. Ce qui est un peu dommage, hein. Oh bah, je suis fiou. Allô. Voilà. Donc là, on va se promener. Je ne sais absolument pas quoi, comment, ce qu'on fait. J'en sais rien. Ça va pas être très très long, mais c'est histoire de passer un petit peu la soirée et de dire surtout... Bon, on est en vacances et c'est encore flou, je suis désolée, il veut pas focus. Il aime pas ma tête ce soir. Donc je disais, je sais pas, je pense pas que ça va être très très long, mais c'était juste histoire de dire, bon allez, on est en vacances, on s'est pas couché à 21h. Même si demain on va se lever assez tôt, parce que demain matin on va marcher, c'est ça? Oui. Et après on va dans les... Et après on va dans une plage qui est fluviale, qui est assez loin. Qui est assez loin, mais qui apparemment est assez bien. Donc on vous redira ça demain. Mais là pour l'instant, on sort, je ne sais pas du tout. On va visiter un petit peu l'Eria. Ça va pas être très très loin. Donc eh ben, je vais essayer de vous montrer un petit peu l'Eria. Si on se promène, si on va dans un bar, eh ben, écoutez, vous saurez ce que j'ai pris. Et puis voilà, on verra bien. Ça, c'est la place de l'Eria. Moi, je vous la remontrerai un petit peu tout à l'heure. On fait une visite guidée. Fait-on jamais. Et voilà, la place de l'Eria est là-haut. C'est le château, j'espère qu'on aura le temps d'aller le voir. Donc là on est sur la place, c'est beau, c'est grand. Là on a une fontaine, tout éclairé, c'est tout lisse par terre, c'est tout propre. Enfin c'est tout propre, hein. Tout est relatif. Hein. On n'a plus qu'à faire la séance photo maintenant. Bon et eh bien écoutez, il est minuit et demi. 11h30. 11h30, on va rentrer se coucher parce que demain c'est la photo pour notre journée. Je vous ai pas vlogué parce qu'il y avait beaucoup de monde sur la place. On a eu plein de personnes, mais voilà, on a été boire un petit coca. Enfin, moi j'ai pris un coca, les enfants une glace. Puis on a discuté, puis c'était bien. Et il fait encore très très chaud, même si ça paraît pas parce que je suis en pull et machin. Oui, mais moi je suis dans un cas particulier, mais il fait très très bon et c'est super agréable. Donc voilà, on espère vraiment que le vlog vous aura plu et la visite de Nazaré. Et on vous dit à demain pour la suite de nos aventures. Ciao!